On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du design de ton site internet. Comment trouver un thème pour son site internet sans s'arracher un bras en faisant appel à un graphiste, même si pour moi ça reste la meilleure méthode pour se différencier. Mais un thème c'est quoi? Un thème ça va être l'apparence de ton site internet, ça va être le graphisme, la mise en page, ben, en gros c'est la coquille visible, c'est la carrosserie de ton site internet. Donc, où les trouver? Sur ta plateforme, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu es, que ce soit Wix, WordPress, Squarespace, Shopify et j'en passe, chaque plateforme propose des thèmes gratuits ou limités avec des options, mais voilà, tu vas pouvoir les modifier dans une bonne partie des cas. Tu as le site ThemeForest qui va te permettre d'acheter et de charger sur ton site des thèmes. Etsy n'est pas là que pour l'artisanat. Il te propose aussi des produits numériques, dont des thèmes. Et sur Creative Market, qui est comme ThemeForest, une boutique où tu peux acheter ton thème et aller l'exporter après sur ton site internet. Et si je devais te donner un petit conseil lorsque tu recherches des thèmes, c'est de faire tes recherches en anglais. Thème s'écrit comme en français sans les accents. Et après, tu tapes le nom de ta plateforme. WordPress, Shopify, et je ne vais pas tous les reciter. Ça te permettra déjà de filtrer en rajoutant ta plateforme pour n'avoir que ceux qui s'adaptent à ta plateforme. Si tu veux t'en inspirer, tu n'es pas obligé de préciser le domaine d'activité, photographie ou mariage. Si vraiment tu as une idée en tête, tu peux rajouter photographie, wedding. Mais lorsque tu fais aussi tes recherches, il faut que tu penses à regarder les versions de démonstration avant de faire ton achat, voir s'il est bien responsive design, donc s'il s'adapte à tous les écrans, s'il est aussi fluide que tu le souhaites, s'il a toutes les options que tu souhaites, et bien sûr s'il te convient. Et dans l'idéal, il faudrait que tu aies dessiné ton site avant et que tu saches ce que tu as besoin. Et ça, on le voit ensemble dans l'académie. C'est la grande formation qui ouvre une seule fois par an en janvier et durant laquelle on voit ensemble sur 3 mois avec un accompagnement durant lequel pendant 3 mois tu seras accompagné pour optimiser ton site internet, voir ce que tu as besoin, le dessiner, faire une refonte ainsi que le référencer en prenant les bonnes habitudes. Maintenant, je te laisse t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu, à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos et à la partager. C'est à toi de jouer. Tu veux encore continuer à travailler ton référencement? Je te laisse avec 2 vidéos. Et moi, je te dis rendez-vous à la prochaine. Ciao!